Salut à tous les amis, c'est HPress774. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un jeu absolument fabuleux avec une ambiance absolument particulière. Ce jeu c'est Limbo. Alors Limbo c'est un jeu en 2D. Je reprends ma sauvegarde. Non, je voulais faire le début du jeu. Alors voilà, Limbo, comme vous pouvez le voir, c'est un petit personnage qui est ici, on voit ses yeux. Je sais pas si vous les voyez. Qui est un personnage, on dirait pas comme ça parce que vous le voyez pas très bien, il est tout petit. Mais c'est un personnage qui est extrêmement expressif. Et en fait, on s'attache très très vite à ce personnage. Alors c'est marrant que je commence là-dessus pour présenter un jeu vidéo, mais c'est vraiment ça, on s'attache vraiment à ce petit personnage, on sait pas trop ce qu'il fait là. Il n'y a aucun HUD, comme vous pouvez le voir, donc rien qui gêne votre écran, vous voyez, il n'y a que le jeu. C'est un jeu aussi qui est extrêmement réaliste dans... De part, c'est la physique du personnage et ouais, sa façon de réagir, même les bruitages, les petits effets de shader, enfin tout fait que ce jeu est extrêmement réaliste. C'est un vrai plaisir en fait de jouer à ce jeu et c'est absolument monstrueux. Donc là, je vous montre le début du jeu pour pas vous spoil parce que c'est un jeu d'énigmes, c'est un jeu de plateforme énigme en fait. Vous ne voyez pas beaucoup. On peut tirer le bateau. Donc voilà, donc c'est les énigmes faciles du début, mais après il y a des trucs vachement durs. Hein. Moi, je sais que je suis resté bloqué bêtement à pas mal de moments dans le jeu. Premier piège, alors hop, vous voyez, il y a des trucs au sol là, des petits pics, regardez, hop, moi je les tire, comme ça, je me fais pas tuer par ces pics. Vous voyez le piège, hop, qui était caché là, on va le mettre au milieu tout simplement, clac, on passe par dessus, et là, on monte, et voilà, là regardez, là je vais monter dessus, et regardez ce qui va tomber, non, il y a une grosse boule, je me sais bien ce que je pensais, clac, mais après, il faut, en général, il faut prendre en compte tous ces pièges et ça nous aide à résoudre les énigmes en fait. Et en fait le piège en le faisant tomber d'une certaine façon, des fois ça peut résoudre des énigmes et tout ça. C'est vachement sympa, les énigmes sont très très bien pensées je trouve. Et voilà, c'est un des chefs d'œuvre du jeu vidéo selon moi. Je crois que c'est l'araignée là, voilà, c'est l'araignée, voilà, là elle est tombée. Je suis trop con. Raté, on va y avoir, voilà, regardez, il faut attendre qu'elle se relève. Et là on court. Je trouve ça absolument dégueulasse. Et voilà. Elle s'en va. Donc voilà, on va se laisser là. Merci de regarder la vidéo, pensez aux j'aime et aux commentaires. Dites-moi si vous trouvez ça rigolo, le fait de faire une ambiance en fonction du jeu. Donc je sais pas si j'arriverai à le reproduire pour tous les jeux, bien sûr. Là c'était un peu facile de faire une ambiance un peu sombre avec des jeux de lumière et tout ça. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez aux j'aime, aux commentaires et à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à me mettre des noms de jeux intéressants dans la description parce que je vous avoue que j'ai plus du tout d'idées de jeux à vous présenter et je trouve ça bien triste. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Allez, ciao. Autre chose. Je fais de la fumée quand j'appuie dessus. On va aller faire un courant d'air. Foutu un bordel monstre dans ma chambre. Mais ouais, du coup, ça prend un peu de place, quoi. Tu sais que je peux plus dormir, là, n'est-ce pas ?